ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר לפני דקות ספורות בבית החולים איכילוב בתל אביב בעקבות יריות מתנקש מוקדם יותר הערב. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה. The American people mourn with you and the loss of your leader, and I mourn with you for he was my partner and friend. Il y a donc tout juste 19 ans, ce sera ce mardi 4 novembre, disparaissait tragiquement l'ancien Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. Et à cette occasion, eh bien, i24 News vous propose ce soir de découvrir un document, sa toute dernière interview enregistrée quelques heures seulement avant sa mort. Entretien que vous avez réalisé, Enrique Zimmermann. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste. Vous nous expliquerez dans un instant eh bien, dans quelles conditions justement vous aviez réalisé ce qui est un document et que nous allons diffuser dans quelques instants. Bonsoir à vous, docteur Marilyn Smadja. Vous avez prononcé un discours à Tel Aviv samedi soir à l'occasion justement de cette manifestation qui commémore cette disparition. Vous avez cofondé le mouvement des femmes qui œuvrent pour la paix. Vous nous expliquerez également de quoi il s'agit, puisque c'est lié aussi à l'œuvre d'Yitzhak Rabin et à l'héritage qu'il laisse. Et puis bonsoir à vous, Nissim Zvili, ancien ambassadeur d'Israël et ancien député travailliste. Vous avez bien connu évidemment Yitzhak Rabin. On parlera de politique également parce que c'est important. On en reparle aujourd'hui, Yitzhak Rabin, dans l'actualité de ce qui se passe à travers à la fois Jérusalem et le processus de paix israélo-palestinien. On retrouvera justement dans quelques instants nos envoyés spéciaux qui se trouvent place Rabin, Kikar Rabin à Tel Aviv, là où le drame s'est joué ce soir de novembre 1995. Vous les voyez à l'écran, Maxime Pérez, Sami Aboudiav et Shai Ben-Ari. Et puis donc dans quelques instants, diffusion de cette interview. D'abord un mot à chacun sur cet événement, cette tragédie. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore, cette soirée-là a été un tournant ou pas pour Israël et pour les Israéliens ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a eu le avant et le après l'assassinat de Rabin de toutes les manières. Et je pense que c'est ancré, c'est presque dans l'ADN israélien. C'est-à-dire c'est vraiment ancré profondément à l'intérieur de nous. Et les jeunes, même qui n'ont pas connu Rabin la semaine prochaine, il y avait des jeunes samedi soir sur la place qui n'ont jamais connu Rabin. Et la semaine prochaine, il va y avoir encore une grande commémoration des mouvements de jeunesse. Ils vont être nombreux et je souhaite qu'ils soient nombreux. Nous y serons. Moi, j'y serai et mon mouvement aussi. C'est vraiment dans l'ADN, je pense, c'est impossible d'enlever l'assassinat de Rabin. Vraiment, c'est pas... Monsieur Zulé ? Moi, ce que je dirais, c'est que les assassins d'Yitzhak Rabin, parce que d'après moi, ça a été un assassin. Ça n'a pas été un assassin. Des assassins qui ont incité à cette mort. Ils ont réussi dans leur but politique. C'est pas seulement ils ont réussi à bloquer le processus de paix entre nous et les Palestiniens, ils ont créé en Israël une atmosphère qui devient de plus en plus invivable pour une grande partie de la population. Le problème, c'est qu'on n'a pas tiré les vraies leçons de ce qui s'est passé. L'incitation du côté de la droite et de l'extrême droite, surtout religieuse en Israël, c'est quelque chose qui transforme l'ambiance et l'atmosphère en Israël. Elle devient de plus en plus irrespirable, je dirais, pour une grande partie de la population israélienne. Et quand on arrive à cette situation, il faut savoir analyser l'assassinat. Qu'est-ce qu'il représente dans la vie de l'État d'Israël? Qu'est-ce qu'il représente dans l'avenir de l'État d'Israël? Et... Où on va.
Alors justement, on va en parler. Covadis, comme on dit en latin. Covadis, effectivement, très belle référence. Alors, Enrique Zimmermann, on va replacer d'abord dans le contexte cet entretien qu'on va écouter dans un instant. Ça se passait où et vraiment quelques heures avant sa disparition? Ça se passe dans le ministère de Défense, 24 heures avant l'assassinat. Moi, j'ai eu un coup de téléphone de Eitan Haber, qui travaillait avec le Premier ministre. Il me dit, viens en ministère, le Premier ministre sera là avant Shabbat, l'après-midi, et tu pourras avoir l'interview. J'arrive et je sens une certaine, je dirais, tension dans l'air. Parce que j'ai compris qu'Yitzhak Rabin, au début, pendant cette semaine, il n'était pas sûr s'il devait faire ou pas cette démonstration. Mmh. Et finalement, il a été convaincu de le faire, de l'accepter. Et c'était un moment pas facile pour lui, je crois, ce vendredi soir. Mais c'était un testament politique d'Yitzhak Rabin, l'interview que je l'ai fait. Ouais, alors elle est restée, on va dire, n'a pas été diffusée jusqu'à présent. Pourquoi vous avez choisi de la garder? Pourquoi? Qu'est-ce que c'était? Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça a beaucoup plus de signification politique et signification même pour le futur. Moi, je crois, je ne vais pas être pessimiste. C'est vrai que Yitzhak Rabin et sa, je dirais, son idéologie n'a pas été assez accepté. Il y a une certaine... la droite, elle est plus forte en Israël maintenant, mm-hmm. ce qu'elle était dans ce moment-là. Mais de toute façon, je crois qu'il y a toute une génération de gosses, des enfants qui étaient là, qui ont vu l'assassinat, qui étaient là dans Kikar Malché Israël, qu'aujourd'hui c'est Rabin, mm-hmm. et qu'ils étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé, qui avaient 10 ans, 15 ans, et qu'on n'a pas, ils n'ont pas dit encore le dernier mot. Alors justement, avant d'écouter cette interview, on va aller dans ce lieu qui est devenu un lieu de recueillement, évidemment, depuis cette soirée tragique du 4 novembre 1995, cette place Rabin, Kikar Rabin à Tel Aviv, là où eh bien, le Premier ministre fut assassiné ce soir-là. Maxime Pérez, bonsoir, vous vous trouvez sur place et vous allez donc nous relater, nous résumer évidemment ce qui s'est passé ce soir-là. Oui, ce soir-là, c'était il y a près de 19 ans. Maintenant, il est 21h30 sur la place des Rois d'Israël, le nom que portait ce lieu à cette époque. Le Premier ministre Yitzhak Rabin vient de terminer un vibrant discours sur la paix. Il a face à lui près de 100 000 Israéliens réunis à l'appel du Parti travailliste et de l'organisation Shalom Arshav. La paix maintenant qui à l'époque réunissait près de 60 000 membres à travers le pays. Yitzhak Rabin donc prononce un discours dans une atmosphère à la fois d'effervescence, euphorique. Nous sommes quelques années à peine après la signature des accords d'Oslo. Une grande partie de l'opinion israélienne croit alors que la paix est possible avec les Palestiniens. Et pourtant, il y a également des tensions extrêmement fortes avec, face à ce camp de la paix, l'opposition de la droite nationaliste israélienne qui, elle, manifeste également massivement à Jérusalem, justement, avec comme chef de file Benjamin Netanyahou à l'époque. Yitzhak Rabin donc termine son discours. Il est aux côtés de Shimon Peres. Il descend les escaliers que vous apercevez derrière moi. Il y a beaucoup de monde autour de lui, des gens qui l'entourent, également un épais cordon de sécurité, mais pourtant un homme au milieu de cette masse, de cette foule, va parvenir à s'infiltrer, à s'approcher du Premier ministre. C'est Yigal Amir, un jeune étudiant religieux qui est originaire de l'université Bar-Ilan et qui va tendre son revolver, tirer 3 balles en direction d'Yitzhak Rabin, quasiment à bout portant. 2 vont atteindre le Premier ministre israélien, dont l'une qui va littéralement transpercer son poumon. Une 3e balle va toucher son garde du corps. Yitzhak Rabin est immédiatement transporté grâce à sa limousine vers l'hôpital Irilov, qui n'est situé à peine qu'à quelques centaines de mètres d'ici, et il décédera au bout de 40 minutes sur la table des opérations des suites de ses blessures. Évidemment, l'annonce de sa mort va provoquer un véritable tremblement de terre en Israël, une onde de choc qui va longtemps traumatiser l'opinion. Ce soir-là, ce 4 novembre, ici même, sur la place des Rois d'Israël, qui deviendra quelques mois plus tard la place Yitzhak Rabin, des centaines, si ce n'est des milliers de jeunes Israéliens vont veiller toute la nuit avec des chandelles assis par terre pour honorer la mémoire de leur Premier ministre.
Merci Maxime Pérez, donc en direct de cette place Rabin. Alors on va écouter maintenant donc ce document et puis on en parle après avec vous parce que cela va forcément eh bien, susciter évidemment des réactions vu évidemment ce qui s'est passé quelques heures après cet entretien que vous avez réalisé, Enrique Zimmermann. On écoute et on regarde tout de suite Yitzhak Rabin, sa dernière interview en exclusivité sur I24 News. Mr. Prime Minister, first of all, thank you for this interview. Are you satisfied with the implementation of Oslo B? And don't you have sometimes thoughts about stopping it because of Islamic attacks? Well, we have to continue with what we are committed to by the DOP that was signed in Washington, by the Cairo agreement, now by the new agreement. The purpose is to establish the interim agreement that will allow the Palestinians to have self-government arrangements to rule themselves and to have elections. We'll continue. Of course, the main obstacle, almost the only obstacle, on the road of its implementation is the terror by those who oppose the agreement between the PLO as the representative of the Palestinian and us. Terror is carried out by the extreme Islamic groups, the Hamas and the Islamic Jihad, with the declared purpose, they say it, to undermine the peace process. And therefore, we see the Palestinians, the Palestinian Authority, as responsible for whatever happens in the areas under their control to prevent perpetration of terror acts, in the areas under their control, or to be originated and carried out from areas under their control against other areas, against Israel, or wherever we are in control in the West Bank. No doubt that their success in their effort to do so, which what happened lately when the two suicidal terror acts or attempt of suicidal terror acts in the Gaza Strip proves that they are not doing enough. And this can serve as an obstacle on the road of the implementation. Sir, the schedule of the negotiations about the final status shocks with the election campaign in Israel. What will happen to Oslo B if the right wing wins in the elections? I don't believe that the right wing will win the election. But do you think that hypothetically it could stop the process? I don't want to discuss it. Mr. Rabin, why is there a need for a support demonstration in the government for your peace policy? Why not? People want. Why not? Do you think the majority of the population supports the peace policy? It's very difficult to say. I believe I cannot prove it. I believe it very much will be dependent. How much will succeed in the implementation? As I said, I believe that the main obstacle is terror. It's not ideological fight, or not mainly inner ideological fight. Is the basic problem of the Israeli individual and public to see that terror is not increased, that terror is eliminated. Mr. Rabin, your government has separation with Palestinians as a target policy. Is it possible to achieve it, taking into account, for instance, Jerusalem? Well, I believe that our goal, or my goal, in the solution of the Palestinian problem and Israel is to bring about a Jewish state that covers most of the land of Israel, in its heart, the United Jerusalem as our capital under our sovereignty, to have the defense line of Israel or defense border along the Jordan Valley, but next to us, to have a Palestinian entity, less than a state, that we will not run, and they will run their life by themselves. Well, thank you very much. Sir, last question, please.
After Amman's conference, it looks there is an approachment between Israel and Arab countries like Saudi Arabia, Qatar, and Yemen. Do you think there will be diplomatic relations in the near future? Well, at this stage, there is openness and there are relations, mainly with the peninsula countries. I can't say the same about Saudi Arabia, with the Maghreb countries, other countries. I believe it will take time. Mr. Rabin, what are your expectations from Barcelona Mediterranean Conference? To deal not only with part of the Mediterranean, but all parts, especially the Middle East, in a context of not meeting only the Arab League, but meeting first and foremost the countries and the peoples that have reached peace, started to solve the Arab-Israeli conflict, and encourage and assist them. We had a lot of pitches by the Europeans in the past to make peace. They have to show that they respect those on the Israel on one hand, the Arab countries and peoples on the other, that are engaged in peace and not those who oppose peace. How would you like to be remembered? Gamarno. Okay. Voilà les derniers mots hein, d'Yitzhak Rabin, en tout cas devant une caméra ou au micro. C'était donc cette interview qui se termine, Enrique Zimmermann, avec cette espèce de question sans réponse finalement. Pourquoi d'abord, à votre avis, il n'a pas répondu? Parce que Shabbat arrivait, le samedi juif, et il avait un problème. Il avait des religieux dans son gouvernement. Et on lui disait, Yitzhak, Shabbat arrive, vous devez partir à la maison, vite. Alors, c'était la seule raison, vraiment. Mais je crois qu'il voulait même pas répondre à cette question. Comment est-ce que vous voulez être rappelé dans le futur? Et si tu me demandes pourquoi j'ai fait cette question, je ne sais pas. Je l'ai fait simplement. Ça a sorti dans ce moment-là. Alors, c'est une interview qui, dont les thèmes abordés par Yitzhak Rabin et les questions que vous avez posées, Enrique Zimmermann, aujourd'hui, on pourrait poser les mêmes, finalement, à Netanyahou, si vous voulez. D'abord, je veux rassurer Enrique parce qu'il a arrêté l'interview parce qu'il a voulu l'arrêter. Il n'y avait plus de parti religieux dans notre coalition. Alors, il avait décidé d'arrêter l'interview parce qu'il ne veut pas rentrer dans des zones un peu... Des zones un peu dangereuses. C'est vrai que c'est les mêmes questions. Le vrai problème, c'est la réponse. Ça veut dire qu'on peut se poser toujours les mêmes questions, mais on a oublié de dire que Yitzhak Rabin avait dit aussi qu'on va continuer à lutter contre le terrorisme comme s'il n'y a pas de processus de paix, et on va continuer dans le processus de paix comme s'il n'y a pas de terrorisme. C'est ça, le contenu de son message, de sa vision. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que Yitzhak Rabin, avec 70% du parti travailliste, était dans l'aile droite du parti travailliste. Jusque dans les années 80-85, il ne croyait vraiment pas que la solution était la création d'un État palestinien. Il n'était pas. Mais ici, c'est ça. C'est sûr. Il était l'aile droite du parti travailliste. Il parle d'une entité, c'est très. Voilà, non. Entité palestinienne. Croyez-moi, j'ai des heures de discussion avec Yitzhak Rabin. Après les accords d'Oslo, il est arrivé à la conclusion que la bonne solution pour l'État, la meilleure solution pour l'État d'Israël, c'est de se séparer des Palestiniens et de leur permettre la création d'un État palestinien. Ça devait aller step par step, étape par étape, parce qu'il était convaincu que l'opinion publique israélienne ne va pas le suivre s'il y aura des gestes trop brutaux. Dans cette direction. C'est pour ça que même dans les accords d'Oslo, il a réussi à convaincre Yasser Arafat, et c'est une question que je lui ai posée personnellement. Je dis, comment Yasser Arafat a accepté de signer ces accords sans que vous vous engagez à arrêter les colonisations? Il a dit, on l'a convaincu qu'on peut faire un premier pas. On doit commencer par une première étape, après on va avancer. Mais la différence entre un leader politique comme Yitzhak Rabin et ce qu'on a eu ou qu'on a aujourd'hui, c'est que quand il était convaincu, quand il est arrivé à une conclusion, il ne faisait pas de discours. Il marchait dans cette direction. Il savait qu'il était engagé. Il savait, et quand il a décidé
de participer dans cette manifestation, je peux vous dire que je lui avais proposé personnellement 6 mois avant, parce que j'ai ressenti qu'il sentait un manque de soutien du peuple. Il ne faut pas oublier que Chasse avait quitté la coalition, on était resté avec 61 mandats pour les accords d'Oslo 2, ce qu'on appelle, on était presque minoritaire. Il commençait à perdre confiance dans le processus. Je lui dis, Yitzhak Rabin, bien, on doit faire une grande manifestation. Il a dit, Nissim, j'ai peur que le peuple ne va pas venir, qu'ils ne vont pas partir. Rien que quand il y a eu des mouvements qui étaient civils, extérieurs au Parti travailliste, comme le mouvement des généraux, comme le mouvement que Tchitch avait organisé, comme le mouvement des femmes sans frontières, qui ont organisé tout ce mouvement, alors il s'est senti suffisamment confiant. Et je n'ai jamais vu Yitzhak Rabin aussi heureux quand il a vu les centaines de milliers de personnes venir à cette manifestation. Il ne faut pas oublier le slogan de cette manifestation, c'est ça le plus important. C'était « Oui à la paix, non à la violence ». « Ken la shalom, lola limut ». Parce que la violence de la droite en Israël et de l'extrême droite en Israël dans cette période de temps était arrivée à un pic qui était complètement inconcevable. Il a commencé à le ressentir, on ne le laissait pas dormir de la nuit. Il manifestait sous leur maison et quand on lui a proposé « on va amener des manifestations de gauche, des mouvements de jeunesse, des kibbutzim, des moshavim pour faire des… » Il a dit non, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, il ne le sait pas. Son discours, quand on l'écoute là aujourd'hui, Marine Smada, il paraît finalement beaucoup plus prudent que l'est Netanyahou aujourd'hui quand il dit « je veux un… » Tout à fait, mais je pense que ça se passe, il y a une grande différence entre les discours et les actes. Et je crois qu'en fait, quand on parle d'un leader, d'un leadership, et je salue justement ces chefs d'état-major, pas seulement Rabin, mais on peut voir chez Begin le même comportement, on peut voir chez Sharon le même comportement, qui en fait ont été des hommes de guerre et ils ont affronté l'ennemi directement. C'est-à-dire, on parle d'ennemi, on ne parle même aujourd'hui, on parle d'ennemi, je veux dire, si on n'a pas nos amis en face de nous, on a nos ennemis en face de nous, on l'a vu dans la dernière opération bordure protectrice, où il n'y avait même pratiquement pas de différence entre le front et la population civile, on a tous été touchés par cette… Alors, ce que je pense, c'est que la grande différence, c'est que quand on dit des paroles, oui, on est pour la solution, deux États, comme un petit peu le discours à Barilla, et qu'il n'y a rien derrière, la population perd confiance. La population rentre dans un système de peur, où en fait, ce qui nous dirige, c'est les autres, et ce n'est pas nous-mêmes. Et je crois qu'en fait, Israël est un État très fort, et un État très fort actuellement, autant sur le plan militaire et pourrait l'être sur le plan politique et diplomatique. Or, nous avons un politicien, nous avons des politiciens et nous n'avons pas de leader. Et en fait, ce qui manque, c'est du leadership en Israël, comme Begin, comme Sharon, qui sont capables de dire, voilà, on a essayé d'autres solutions, elles nous ont amenés finalement à des fossés terribles. La situation actuelle est bien pire hein, aujourd'hui qu'il y a 19 ans. Parce qu'à 19 ans, si on parlait de politique, il y avait la gauche contre la droite. Mais aujourd'hui, il y a une fracture trop totale au sein même des partis. Si je regarde le Likoud est complètement fracturé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas notre sécurité assurée. Mais est-ce qu'il y a énormément de différences? Il manque du leadership. Oui, mais si on regarde par exemple sur la question de Jérusalem, on voit que Rabin vous dit clairement, il n'est pas question de diviser Jérusalem pour lui. Ça n'était pas du tout… Son fils, Yuval Rabin, et il m'a dit, mon père, il était un homme de réel politique, il était un homme pragmatique, et il pensait qu'on ne doit pas dire nos positions avant la négociation. Alors, il dirait, il y a une différence très grande entre les déclarations et les actes, mais dans ce sens. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On dit, on parle de deux États, mais on fait tout pour éviter la solution des deux États, la formule des deux États. Ce que je vois chez Rabin, c'est exactement, c'est le réel politique, et je vois deux messages très intéressants dans ce interview. Un, il dit qu'il faut résoudre les problèmes avec nos voisins, les Palestiniens et les Syriens, dans ce moment, pour nous occuper des problèmes plus graves qui sont l'islamisme, le terrorisme islamique. Et il parle aussi d'Iran dans un certain moment, Iran nucléaire même, 19 ans avant ce moment-là.
Et après, la deuxième chose, c'est assez incroyable, et ça je l'ai vu récemment, j'ai compris ce qu'il a dit dans la fin de l'interview, 7 ans avant le plan saoudite, le plan arabe, mm-hmm. il parle de la solution régionale de faire la paix avec les pays de toute la région comme une façon pour assurer, pour préserver la paix entre nous et les Palestiniens et les Syriens dans ce moment-là. Ça, c'est complètement... On peut voir que, dans une certaine façon, Rabin, il était avant son temps, peut-être. Ouais. Mais je crois qu'Igal Amir, l'assassin, il a arrivé, vraiment, il a arrivé son but de arrêter ce processus. Et la question, c'est quand on va revenir à ce réel politique, parce qu'il n'y a pas de status quo possible. Ici, si on essaye de garder la situation maintenant, on peut se préparer pour la troisième intifada, la quatrième guerre avec Hamas en Gaza et la troisième guerre du Liban. Alors, il nous reste quelques minutes, mais il faut là-dessus. Se préparer une autre réalité. Ouais. Il faut commencer à préparer des livres, comment vivre dans un État binational. Parce que je crois qu'on s'éloigne vraiment très rapidement de même la capacité ou la possibilité d'aujourd'hui réaliser la vision de Peres, de Rabin et celle de Netanyahou, même qu'il a dit, deux États, deux peuples, on s'éloigne de cette vision. Et aujourd'hui, je crois que si le peuple en Israël ne comprend pas qu'il y a une majorité qui est en train de te créer, pas chez nous seulement, chez les Palestiniens, qui disent, OK, vous savez quoi, on n'avance pas, on va vivre ce qu'on vit, on a le temps, on a la patience. Dans une génération, dans deux générations, il y aura un État avec 15 millions d'habitants, on sera 50% de la population, on verra qui c'est qui va gagner. Tous ceux qui ne comprennent pas que si on n'avance pas vraiment immédiatement vers la solution de deux États, on va se trouver dans un État binational où peut-être mes petits-enfants ne seront plus capables de vivre. C'est ça le vrai problème du peuple juif et de l'État d'Israël. Il n'y a pas de pire solution qu'un État binational pour l'avenir de l'État d'Israël. Et c'est exactement ce que Yitzhak Rabin a compris en 1990 quand il a accepté d'avancer dans le processus d'Oslo. C'est exactement ce qu'il a compris. Lui, il n'aimait pas Arafat. Je vous rejoins parce que les femmes, par exemple, du Likoud, qui sont dans notre mouvement, donc les femmes de centre et de Likoud, elles ont exactement ce raisonnement. C'est-à-dire, elles se disent, voilà, nous, on ne voit pas la paix. On ne voit pas la paix. La paix, c'est une vision. La paix. D'ailleurs, les femmes religieuses, les femmes Likoud, elles disent, on aimerait la paix. Je veux dire, je crois qu'en Israël, la majorité des gens, ils ont un désir de paix. Mais c'est impossible, c'est pas praticable. C'est une vision sur le long terme. Et en fait, quand elle parle d'accord politique, c'est pour qu'il y ait vraiment une grande différence, une séparation entre l'État palestinien et l'État israélien, pour justement permettre qu'en Israël, il y ait une souveraineté juive encore qui est en train de se perdre, parce qu'on va à la dérive à tous les niveaux, même économique et éducation. Il faut avoir des leaders arabes qui soient là-bas aussi pour le faire. Et je crois que Palestiniens et Israéliens seuls, ils ne peuvent pas. Ils doivent avoir le monde arabe avec eux. Merci. Merci beaucoup, Enrique Zimmermann. Et merci pour cette interview. Merci à vous, Marlène Smadja. Merci, Nissim Zvili. Fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi.